Difficile de croire que des mystères peuvent encore exister. Le 29 avril 2011, au mariage de Kate Middleton et du prince William, les télévisions du monde entier n'ont pas raté une seule seconde de cette somptueuse cérémonie. Mais alors que les Cambridge ont récemment célébré leur 9e anniversaire de mariage, une adorable confidence vient, seulement, d'être révélée. Cette révélation, on la doit à un expert labial qui s'est concentré sur ce qu'a dit le prince William à celle qu'il venait d'épouser dans la calèche où ils ont salué la foule. Et selon lui, le duc de Cambridge était fort étonné de la foule venue les acclamer. J'espère que je m'en souviendrai. Si est-il fou, vraiment fou, aurait-il lancé à Kate Middleton en admirant les milliers de fans aux abords de la chapelle. Oh mon Dieu, si est-il vraiment fort ici. Ces gens n'arrêtent pas d'applaudir. Le prince William aurait également eu de tendres paroles pour son épouse, tu as l'air heureuse. Et si le couple était sur un petit nuage, leurs proches aussi. Et notamment la reine Elisabeth II. Après la cérémonie, et selon l'expert labial, Sa Majesté se serait tournée vers le prince Philippe et lui aurait lancé, c'était magnifique. Sous le charme de cette grandiose cérémonie, la monarque n'aurait cependant pas apprécié un détail du mariage de son petit-fils, le moyen de transport choisi par le couple pour leur première parade en tant que mari et femme. Je voulais qu'ils prennent la plus petite voiture, aurait lâché Elisabeth II à son époux, visiblement non contente qu'il salue la foule dans une calèche. Mais de leur côté, les jeunes mariés ont gravé cette journée dans leur mémoire. Tout comme les Britanniques et les membres de la famille royale, qui n'oublieront pas de sitôt cette cérémonie à l'abbaye de Westminster. Il faut dire que la couronne avait vu les choses en grand pour cette union. On ne marie pas des futurs monarques tous les 4 matins. Un 9e anniversaire en privé pour le plus beau jour de sa vie, Kate Middleton était splendide dans sa robe de mariée spécialement créée pour elle par Sarah Burton pour Alexander McQueen, le créateur fétiche de la duchesse de Cambridge. Pour sa mise en beauté, l'épouse du prince William avait décidé de briser un peu le protocole en préférant laisser ses cheveux détachés. Un choix logique pour le coiffeur des stars qui s'est occupé d'elle. Comme Richard Ward l'expliquait à People, la duchesse de Cambridge n'a jamais pris de grands airs avec lui et possède un sens de l'humour redoutable. Le 29 avril dernier, CST confinés à Anmeol avec leurs 3 enfants que le prince William et Kate Middleton ont fêté leur 9e anniversaire de mariage en privé. Pour l'occasion, ils ont évidemment remercié les Britanniques sur les réseaux pour tous leurs adorables messages. Pour l'occasion, ils ont partagé une magnifique photo de la cérémonie. Que personne n'oubliera outre-manche.